Bonjour, bienvenue à la rencontre francophone. Bonjour, bienvenue. On se donne encore quelques minutes pour les retardataires.
Bonjour, nous attendons Nicolas Chagny, ne devrait pas tarder. C'est vrai que la configuration de la salle ne se prête pas tout à fait à l'esprit que l'on avait de faire quelque chose d'informel. Donc je propose qu'en attendant, on se présente. Et pour. Nous avons le plaisir et la joie d'avoir à côté de nous Joyce. Bonjour tout le monde. Moi-même, Philippe Batreau, membre du conseil d'administration de l'ISOC en France, en charge des relations francophones. Et je suis Joyce Denier, donc je travaille pour Internet Society au niveau mondial. Et donc, le titre officiel, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas comment mettre tous les mots en français dans le bon ordre. C'est Senior Director Global Community Engagement. Donc, en fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est que je suis responsable de l'engagement et du travail avec toute la communauté, donc la partie chapitre, la partie membre individuel, la partie organisation, et puis les partenaires au niveau Sustainable Development Goals, donc la partie SDG également. Et donc voilà, ça me fait un grand plaisir d'être là et de pouvoir parler en français aussi. L'idée d'une ISOC francophonie remonte à un passé lointain et avait commencé chez nos amis québécois il y a une vingtaine d'années, peut-être, voire un peu plus. On avait fait à nouveau une tentative de mettre en place un ISOC francophonie à Tunis à l'occasion du sommet mondial de la société de l'information, et on avait réuni à l'époque une vingtaine de chapitres. Et aujourd'hui la question n'est plus tant de mettre en place une structure, hein, mais plutôt de voir comment les francophones, quelle pertinence il peut y avoir pour les francophones à travailler ensemble au sein de l'ISOC, un peu comme l'ICANN le fait avec ces rencontres de la francophonie à chaque réunion de l'ICANN, pilotée par notre ami Emmanuel. Donc je propose donc de faire un tour de table où chacun se présente et en plus apporte sa contribution à son avis sur ce que pourrait être ce qu'on pourrait faire ensemble en tant que francophone au sein de l'ISOC. Et donc, Destiny, tu veux commencer ? Oui, juste le tour des tables d'abord et après. Les deux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Destiny Chiwali, présidente du conseil d'administration d'ISOC Québec. Je suis là avec mon collègue Pierre-Jean Dac, qui va peut-être prendre la parole aussi tout à l'heure. Donc, je suis très content de cette initiative, une première, là, de se regrouper, parce qu'on ne se regroupe pas souvent entre francophones lors de ces rencontres. Et je pense que ce qu'on essaie de faire ici, c'est simplement de se remobiliser et de commencer déjà par se connaître, parce que je suis persuadé qu'on partage beaucoup de problématiques communes dans nos différents chapitres. Et donc de pouvoir initier ce dialogue dans l'esprit donc, d'une rencontre qui historiquement avait été faite en 2001 et de voir justement de façon très concrète, au-delà des questions d'ordre structurel ou organisationnel, comment nous pouvons ensemble peut-être partager nos bonnes pratiques et identifier peut-être des stratégies ensemble pour que plus rien ne se passe entre d'une réunion à l'autre et que qu'on développe d'ailleurs beaucoup plus justement la collaboration entre nos chapitres respectifs. Donc je pense que je vais pas trop tarder à ce stade-ci pour permettre le tour de table. On va revenir un peu plus en détail sur ce que nous faisons par exemple au niveau de notre chapitre et les projets qu'on a qui vont dans le sens de la suite peut-être à donner à cette réunion. Donc au plaisir de vous en reparler tantôt.
Bonjour. Je suis Amine Ouadis, donc je travaille dans le secteur privé. Je suis actuellement DevOps chez ConnectThings et c'est une entreprise qui travaille sur de la localisation augmentée. Donc on a beaucoup de sujets autour de la vie privée des utilisateurs. Et précédemment, j'ai travaillé chez Accenture aussi dans le secteur de la cybersécurité. Et donc là, c'est un peu plus large au niveau des vulnérabilités dans le cloud, des data centers de différentes industries. Et donc, je m'intéresse à l'Internet Society en France particulièrement. Merci. Bonjour, je me présente, Wafed Dehmeni, membre du chapitre ISOC Tunisie, donc je ne suis pas membre du conseil d'administration du chapitre. Franchement, je suis là pour plus entendre les autres que... Je n'ai pas vraiment une idée et une réponse à votre question que vous venez de poser. Le chapitre ISOC Madagascar. Mami Rendimar, bonjour tout le monde. Je suis le secrétaire général de ISOC Madagascar. On est assez costaud comme délégation ici dans cette réunion. Moi-même, donc, je suis le président de ISOC Madagascar. Ce qu'il faut savoir, c'est que ISOC Madagascar a existé depuis longtemps, mais dans le fait de formaliser ce chapitre, on a eu du mal, on a peiné. Et c'est seulement cette année-ci, au mois de juin, qu'on a pu donc être à l'intérieur officiellement. Tout ça pour vous dire que c'était tout un chemin pour en arriver là et voilà quoi, on essaiera d'apporter ce que l'on peut. Oui, bonjour. Azar Amoussalam, comme vous venez de voir, je viens de Madagascar aussi, je suis membre chapitre Madagascar. Anciennement, longtemps. Alors, je suis Anne-Marie Joly, je fais partie de l'ISOC France et de e-senior. Bonjour à tous, Sébastien Bacholet. J'ai dû être aux premières réunions, peut-être pas la première, mais en tous les cas celle de 2003 qui a eu lieu en parallèle de la réunion de l'ICANN à Montréal, où on avait fait aussi une tentative autour de la francophonie. Je suis aussi membre membre d'ISOC France, président d'honneur, et je suis aussi membre du bureau du chapitre ISOC du Cameroun, pour ce qui est des chapitres francophones. La diversité, et en particulier la diversité linguistique, est, comme ceux qui participent aux réunions de l'ICANN le savent bien, un de mes sujets de favoris, parce que je pense que c'est très important qu'on maintienne cette diversité, et pas seulement parce qu'on veut être différent, mais aussi parce qu'il y a un moment où le fait de parler des langues différentes font que la réflexion est différente. Et donc, c'est important qu'on le maintienne. Il a été question de projets. Alors, tel qu'il en a été question, des projets menés par un chapitre, oui, moi, je voudrais venir avec deux suggestions. La première, c'est que dans un an exactement, ou à peu près, on aura fini la réunion de l'ICANN à Montréal qu'à cette occasion-là, il va y avoir une réunion de l'ensemble des structures at large, d'un certain nombre de structures at large dans le cadre d'un sommet des structures at large de l'ICANN. Et il me semblerait utile, sous deux chapeaux différents, qu'il y ait une mobilisation d'une part d'ISOC. C'est le même sujet sur lequel je reviens à chaque fois qu'il y a un sommet des ALS, c'est que l'ISOC profite du fait qu'il y a déjà des gens qui sont représentants des chapitres de l'ISOC qui sont sur place, et donc pourquoi pas rajouter un jour de voyage. Et l'autre élément, c'est
ce serait très utile qu'il y ait quelque chose de spécifique de la francophonie aussi à ce moment-là. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait deux événements en même temps ? J'en sais rien, mais en tous les cas, je pense que ça vaudrait le coup qu'on réfléchisse à ça. Et puis, ça permettrait de renforcer la position des francophones en général et des chapitres francophones de l'ISOC dans la structure globale. Voilà. Et je crois que c'est important aussi qu'on essaye de faire en sorte que dans toutes les réunions internationales où nous sommes, il y ait la possibilité d'avoir une réunion des francophones. Merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc comme vous l'avez compris, chacun se présente et peut commencer à contribuer sur sa vision d'un travail commun des francophones au sein de l'Internet Society. Okay. Bonjour à tous, moi c'est Raihanat Badamonsi, ISOC Bénin, membre de ISOC Francophonie, oui. Je pense que j'irai dans la même dynamique que mon prédécesseur, c'est de pouvoir renforcer les liens de ISOC francophone. Il faut qu'on soit vraiment plus présent, participer davantage, parce que de plus en plus, je pense qu'on est un peu délaissé par la communauté. Il faut qu'on puisse davantage faire remarquer notre place, puisque qu'on le veuille ou pas, la francophonie, c'est pas petit. Donc, je pense qu'on peut travailler dans ce cadre-là. Et ces genres de concertation pour davantage créer un brassage entre nous serait le bienvenu à toutes les occasions. Et si oui, on peut profiter des réunions ICANN, IDF et tout ça pour pouvoir faire des rencontres IDF, ISOC, francophonie, je pense qu'on irait davantage de l'avant. Merci. Merci. Allô, bonjour, je m'appelle Zine Ibrahim Mahamat, je suis membre d'ISOC Tchad. Je reviens sur, je capitalise un peu sur la proposition des destinées, parce que ce qui nous manque actuellement, c'est un ordre structurel et stratégique. Et pourquoi pas pour nous, en tant qu'Africains d'abord, francophones et africains, ne pas partager les mêmes meilleures pratiques entre nous avant de les dupliquer, parce que l'environnement, il est le même. Et venir avec cela sur le plan international, proposer aux autres, essayer de changer pour qu'on puisse booster en fait notre idéologie en tant que francophone sur un espace francophone. Merci. Bonjour, moi c'est Adam Ahmad Doumous, membre actif du chapitre ISOC Tchad. Ouais, c'est bien l'idée de créer ISOC Francophonie. Parce que quand nous suivons souvent dans les discussions ou bien surtout quand il y a une doléance et puis faite en français, souvent les bords négligent, ne prennent même pas en compte même les projets qui sont un peu qui ont un plein sens ou bien certaines doléances ne sont pas prises vraiment en compte par les bords. Donc ça sera un réseau, il faut passer par ces réseaux-là et puis pour transmettre le doléance a acquis des droits. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis Khouzaïfi Fissara. Je suis le président de Maki aussi GF Tchad et membre d'ISOC Tchad. Pour la question d'ICANN francophonie, je préfère ISOC, sorry. Joël, c'est la fatigue, en fait. Ouais, je suis d'avis, en fait, de pouvoir mettre une structure dans chaque pays pour pouvoir beaucoup plus développer cette institution. Donc, je pense qu'on dit bonsoir. Je pense bonsoir à tout le monde. Donc, je réponds au nom d'Abdeljalil Bachar Bong. Je viens du Tchad. Je suis membre fondateur de ISOC Tchad. Et je fais partie de l'Estaf aussi. Et avant tout, je remercie les organisateurs ici, Philippe et les autres, pour cette rencontre francophone, vraiment primordiale pour nous en tant que francophones. C'est vrai, on a aimé les listes pour la francophonie. Ça, c'est beaucoup plus global. Et nous ne pouvons pas créer d'autres mailing listes, mais quand même, on peut utiliser ces canaux.
la francophonie rime avec Isaac francophonie. Donc on peut utiliser ces mélélistes. Et comme Sébastien vient de rappeler, même au niveau des at-large, nous avons des ALS francophones qui sont là. Donc quand même, dans des réunions comme ça, on pourrait se voir, même si c'est 30 minutes, échanger avec nous, quelles sont nos vues, etc. Et de proposer plus de sessions aussi. Par exemple, dans les sessions ici, beaucoup plus en anglais aussi. Donc, et nous sommes dans les capitales francophones, je peux dire, c'est la France. Donc, quand même, il faut organiser des sessions en français aussi pour nous. Et quand même, il faut monter même la jeunesse en compétences. Donc, il faut faire les systèmes de parrainage. Ça, c'est vraiment important pour nous, pour avoir plus d'expertise. Parce qu'actuellement, dans la base de données, quand vous allez au niveau des IGF, etc., c'est beaucoup plus les anglophones. Donc, quand même, il faut une masse critique de compétences francophones qu'on peut y assurer et quand même organiser à chaque fois et préparer pour Québec. C'est vraiment primordial aussi pour ICANN Québec, là, pour tout pour nous les francophones, comme Québec, cité francophone. Donc il faut avoir plus de participation francophone aussi. Et surtout dans nos échanges, dans Facebook, que ce soit dans Twitter aussi, de temps en temps, partageons le contenu en français. Parce que quand on partage en anglais, il y a des gens qui m'appellent du pays, mais quand même, tout est en anglais, là, on ne va pas encore traduire quand même. Il faut faire des résumés, etc. Et dès qu'on rentre, on va faire des restitutions, que ce soit en français, et même si c'est une petite page, là, ça sera plus mieux pour la communauté. Et donc, je vous remercie. Je rappelle les deux outils à notre disposition. Il y a un groupe, Facebook, ISOC Francophonie, et il y a une liste sur... Est-ce que tout le monde est membre de la liste ISOC Francophonie sur le portail isoc.org? Enfin, attends, oui. Je voulais tout de suite rebondir sur la liste. Il y a une liste ISOC Francophonie et, à laquelle on peut se connecter à partir de son profil de membre internetsociety.org. Il reste Célou. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Fanny Saliou, membre de ISOC Côte d'Ivoire. Moi, je trouve vraiment l'initiative très bonne parce qu'on constate, comme ce que Sébastien vient d'informer, souvent nous constatons lors des différentes réunions, les Africains, tous les réunions se font en anglais. Alors, effectivement, ceux qui ne sont pas trop pointus en anglais, vraiment c'est difficile à appliquer toutes les décisions qu'on prend au niveau des différentes décisions. Vraiment, l'idée est bienvenue. Nous sommes disponibles à aider l'équipe dirigeante pour aller de l'avant. Donc, vraiment, merci bien pour ça. Je n'y arrive pas. Voilà, tu n'as pas le droit de parler. Non, c'est parce que j'avais déjà appuyé. En fait. Bonjour. Déjà, excusez-moi pour mon retard. Et, ça va vous faire rigoler, mais j'étais en audit RGPD. Et ça s'est bien passé. Donc voilà. Lucien Castex, qui est secrétaire général de Internet Society France, est dans une réunion NRI dont il n'a pas pu se libérer. Il va peut-être venir. Donc moi, je m'appelle Nicolas. Je préside le chapitre français de l'Internet Society, le chapitre France. Internet Society. Je me suis posé quelques questions au-delà de la création de groupes qui sont, je pense, plutôt qui peuvent rester sous la forme informelle, des mailing lists, des choses comme ça où on peut partager de manière privilégiée en langue française. Je pense qu'il y a quelque chose je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à quelles actions assez concrètes on peut faire pour partager des choses ensemble. Et je pense que c'est là où on peut être les plus forts. Moi, je vois deux choses dans les différentes choses qu'on produit. On a travaillé depuis 2 ans avec le soutien de ISOC Global sur un projet lié à tout ce qui est la simplification des conditions générales d'utilisation des sites. Donc, comment on fait en sorte que on n'a pas besoin de 13 pages d'explication de Facebook pour nous expliquer les conditions générales, mais comment on fait en sorte qu'en 10 points, on arrive
à faire des conditions générales qui sont lisibles. Ça, typiquement, c'est quelque chose, c'est un projet qui est sur un site qui s'appelle confiance.isoc.fr, et c'est en français. Et c'est quelque chose qu'on pourrait très bien adapter aux différents pays, en adaptant, du coup, là, il y a une adaptation à faire plutôt sur la partie juridique pour que ça corresponde à la loi de chaque pays. Mais là, typiquement, il y a un contenu, il est en français, il est très riche, il a été créé, il a été financé par ISOC Global. C'est typiquement quelque chose qu'on pourrait partager dans les chapitres, l'utiliser comme un outil. Et typiquement, là, si vous avez besoin qu'on vous aide, on peut le faire. Lucien, qui n'est pas là, c'est un spécialiste du droit, donc il a des connaissances en droit international, donc il peut aussi aider sur ces sujets-là. Ensuite, il y a autre chose qu'on est en train de faire en ce moment, qui est, on est en train d'essayer de mettre le focus sur tout ce qui est éducation. Donc on a créé un site qui s'appelle isoc.fr/education, sur lequel on a regroupé nos différentes actions liées à l'éducation. Et la première action qu'on est en train de faire là, c'est qu'on a créé un livre. On a créé un livre sur les données personnelles et qui reprend à la fois les données et le numérique en général. Et donc c'est un livre éducatif. Il est à destination des parents, des éducateurs, des instituteurs, des profs, pour expliquer les données et expliquer Internet aux enfants. C'est un livre qui est en Creative Commons, donc on peut le reprendre, l'imprimer, etc. Il est en licence gratuite. Donc là, sur le site isoc.fr/education, il est en téléchargement. Vous pouvez télécharger directement le PDF. C'est la version alpha, on dit, parce qu'il y a encore quelques petites coquilles, mais on voulait le sortir pour la GF. Et il s'appelle devenir gardien de son Internet. Je pense que voilà, et ça typiquement c'est un contenu qui est en français, c'est un livre qui fait 24 pages qui a été travaillé, et je pense qu'on pourrait en faire des adaptations locales parce que en adaptation locale il faut adapter les services, il faut adapter un peu la législation, quelques points qui sont un peu particuliers, mais je pense que c'est typiquement un contenu qu'on pourrait partager, parce que là il y a eu du travail qui a été fait, et en plus il a été relu, il n'a pas été supervisé, mais il a été relu avec un groupe qui s'appelle EducNUM, qui est un collectif qui a été mis en place par la CNIL et qui est un collectif de travail autour de l'éducation au numérique. Et il est illustré par Elix. Alors je ne sais pas s'il y en a encore, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. Il y en a des livres encore, Philippe ? Ah, pardon, ok, d'accord. Mais je pensais qu'il y avait des livres encore. Mais je crois qu'on a tout passé. Bon, pardon. Le livre, il a été illustré par Elix. Elix, c'est le personnage officiel de l'ONU qui illustre les différentes actions de l'ONU. Donc, par exemple, c'est lui qui a illustré tout ce qui est lié à la COP21. Donc, c'est un petit personnage qui se retrouve à plein d'endroits. Et ils ont créé une fondation qui s'appelle la Fondation Elix, qui anime ce personnage-là. Donc voilà, là, c'est quelque chose qu'on vient de faire, qu'on a sorti pour l'IGF, et je pense que c'est typiquement un contenu qu'on peut aller prendre. Je pense qu'il faut un peu le localiser. Il est en français, mais il faut sans doute adapter sur certains services. Mais là, il y a quelque chose de très concret qu'on peut faire. Et puis la troisième action, et peut-être que Sébastien pourra aussi en parler et voir comment on peut porter ça, c'est la déclinaison qu'on fait en France du FGI. Donc cette année, on a décidé de démultiplier un peu les rendez-vous. Donc on a créé des ateliers de l'avenir numérique. On en a fait quatre. On en a fait un sur la cybersécurité, un sur l'Internet ouvert, un sur les données. Ça, on a fait ça au premier semestre. Et là, on en a fait un il y a quelques semaines sur IPv6. Et il y avait un peu de monde, ce qui n'est pas facile sur IPv6. Ces quatre événements-là font partie de l'événement plus global qui est le FGI France, qu'on a fait en juillet dernier sur une journée avec un peu quasiment 1000 personnes qui sont venues dans la journée pour échanger. Et là, je pense qu'il y a à la fois sur ces rendez-vous et sur le FGI, ben là, c'est tout en français. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce
avec cet outil qu'est le FGI pour la communauté de la francophonie en général. Tu veux rebondir sur ça ? Parce que comme tu fais partie du comité d'organisation du FGI... Merci Nicolas. Oui, je pense que ce qui est intéressant dans la proposition de Nicolas, les trois, mais celle de la dernière, là, c'est qu'effectivement, quand on fait un événement dans un pays francophone, très souvent, quand on peut, il y a des enregistrements qui sont faits, il y a des versions éventuellement papier qui sont produites, et ça reste très, très local. Ou même c'est très peu utilisé, et donc le fait de l'utiliser, c'est absolument, ce sera très bien, et que ce soit partagé au niveau global, parce que quand on arrive à un événement comme celui d'aujourd'hui ou d'hier et des trois jours là, à l'UNESCO, comment est-ce qu'on peut porter une voix qui soit un peu plus collective? Et pour qu'on la porte, il vaut mieux utiliser ce qui s'est fait localement, et ce qui s'est fait localement dans notre langue principale, maternelle, paternelle, comme vous voulez, et qu'elles soient et qu'on les utilise. Et il s'avère que autour de l'événement en France, des événements en France, il y a eu une réflexion, une production très importante, et donc c'est effectivement utile de la réutiliser. Et la réutiliser, c'est pas dire, c'est pas, on vous dit pas, vous devez être d'accord avec nous. C'est, il y a une base. Il y a de la documentation, il y a de la réflexion, et utilisez-la pour partir de là, non pas parce qu'on veut que ce soit votre point d'arrivée, mais que ce soit votre point de départ pour que vous réinventiez pas ce qu'on a fait. Et je pense que quand je dis ça, je pense qu'on serait tous très contents d'avoir la même chose de votre part, c'est-à-dire quand il y a des événements qui se passent chez vous, pour que nous aussi on réinvente pas les choses, qu'on part de la réflexion que vous avez eue. Et donc, comme ça, on puisse grandir ensemble et progresser. Juste deux secondes, parce qu'avant que tu arrives, Nico, j'ai fait aussi allusion à... dans un an, il y aura la réunion de l'ICANN à Montréal, et il y aura un sommet des structures at large, et dans ces structures at large, il y en a à peu près la moitié qui sont des chapitres de l'ISOC. Et donc, comme à chaque fois... Donc je resuggère, comme je l'avais fait, et ça s'est fait à Londres en 2004, non, à Londres en 2009 et à Mexico en 2004, la veille, l'ISOC global a profité pour réunir les représentants des chapitres qui étaient déjà là, et en a rajouté quelques-uns, ce qui permettait de faire grossir la population, et que je pense qu'autour de la francophonie, en général, et des chapitres francophones, il serait utile aussi de réfléchir à ça, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui participe. Il y a des problèmes de budget forts pour toutes les organisations, mais en particulier à l'ICANN aujourd'hui, ce qui fait qu'il n'y aura pas 200 représentants, du moins un représentant par chacune des structures at large, ce qui aurait fait 200 personnes. Il n'y aura, entre guillemets, que 60 personnes qui vont venir, et donc... c'est déjà bien, je vais prendre le côté positif, mais on peut faire mieux, et faire mieux, c'est vraisemblablement essayer de voir avec l'ISOC global si ils peuvent pas faire venir quelques chapitres en plus, et travailler autour de la francophonie, donc de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère de la francophonie au Québec, pour aider à ce qu'il y ait un certain nombre de francophones en plus. Et j'y vois l'avantage. Que si on réussit ça avec la francophonie ou avec les francophonies, c'est que on pourra rééquilibrer la mainmise anglo-saxonne sur toutes nos structures et en particulier sur Atlards, et donc ça peut avoir un intérêt qui n'est pas seulement celui ah je suis content, je vais aller voyager à Montréal, mais de faire un vrai acte politique sur le contenu et sur la suite des événements. Merci. Nous accueillons trois nouveaux participants qui ne se
ne sont pas encore présentés. Alors, notamment, je vois le Sénégal. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter, éventuellement apporter votre vision de comment travailler ensemble entre francophones à l'ISOC? Bonjour à tous, Mamadou Lo, Sénégal. Excusez-moi, un peu de retard, j'étais sorti vers tout, mais bon, finalement je suis là. Je suis membre du chapitre sénégalais d'International Society. Je ne suis pas du comité directeur, mais non du bureau, mais je suis membre quand même assez actif au niveau des discussions au Sénégal, surtout ce que se fait au niveau des ISOC. Je pense qu'au Sénégal, il y a des initiatives assez intéressantes qui ont été prises. Même on n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des initiatives très intéressantes au niveau de la formation et de tout ce qui est initiative en termes d'accompagnement des jeunes, surtout dans le développement d'applications. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée sur aujourd'hui, je pense que c'est la question qui a été posée. Comment aujourd'hui, ISOC devrait mieux impacter aujourd'hui la francophonie sur les sujets de la gouvernance de l'Internet. Je pense que, si je ne suis pas trop prétentieux, c'est le cadre aujourd'hui idéal, à mon avis, qui est donné à la francophonie pour aujourd'hui au niveau au niveau national, au niveau de la société civile, au niveau du secteur privé, et au niveau de toutes les parties prenantes, avoir des points de vue, des discussions, disons, intéressantes à leur niveau. Je veux dire par là, aujourd'hui, c'est un réceptacle qu'on devrait utiliser au niveau national, au niveau africain, au niveau de tous les autres pays, au niveau de tous les autres chapitres, et puis essayer de voir au niveau de ISOC francophonie comment centraliser toutes ces discussions, toutes ces politiques qu'on devrait à mon niveau concevoir, puisque ça, pour mieux impacter, disons, les discussions au niveau international. Merci Philippe. Excusez un peu du retard. Merci Mamadou. Et peut-être ta voisine qui ne s'est pas présentée, si elle veut se présenter. Oui, je me nomme Fatoumé Boukar Kossey, du CAD, membre de l'ISO CAD. Merci. Bonjour tout le monde, avant tout, et je suis vraiment ravie de vous rencontrer aujourd'hui à l'AIGF France. Bon, je m'appelle Bouchra Nasser Ousselat, je suis membre actif d'AIZOC Tchad et je fais la promotion du genre au sein de l'AIZOC Tchad. Merci beaucoup. Bonjour, merci, désolé de mon retard. Mon nom est Frédéric Donc et je suis à Bruxelles pour le Bureau européen. Donc quel plaisir de parler français au sein de l'EGF, ça c'est un grand luxe, merci de l'organiser. FGE, oui pardon. Vous voyez, on est effectivement dans ce milieu de l'Internet encore complètement programmé pour utiliser des acronymes et des expressions en anglais. Donc je suis ravi qu'on puisse revenir aux basiques francophones. Pour le dire en bon français. Alors, je suis désolé, je n'ai pas entendu la conversation. Je sais qu'on a pris des notes et qu'on va me tenir informé et que Joss va se faire un plaisir de me débriefer. Non ? Oui. Pour moi, la francophonie, c'est effectivement un concept identitaire et puis géographique et puis politique. Je pense que ce qui m'intéresse avant tout au sein de l'Internet Society, c'est d'en faire un concept pragmatique. C'est-à-dire qu'on a des chapitres, comme le disait Sébastien, qui produisent en français et qui serait utile de s'échanger, même si à l'Internet Society, vous l'avez remarqué, on fait de plus en plus d'efforts à traduire tout ce que nous faisons en français, de plus en plus. Donc je pense que ça, on peut s'en réjouir. Mais je pense qu'il y a encore du contenu qui est fabriqué par vous tous, qui serait utile de s'échanger dans l'espace francophone, à commencer par ça. Autre chose...
J'entendais Sébastien plaider effectivement pour des échanges physiques, mais je pense aussi qu'on peut se servir de l'Internet et plus en plus essayer de faire cet échange francophone avec les gens qui parlent le français dans l'ISOC. Moi, je serais ravi, si vous le désirez, d'intervenir dans des matières qui sont de mon ressort, dans des réunions en Afrique. Pour l'instant, les seuls, à quelques exceptions près, qui me l'ont demandé, ce sont des pays africains que j'adore, le Zimbabwe, le Rwanda, les choses comme ça, mais c'est en anglais. Et donc moi, je serais ravi de pouvoir intervenir, si vous le souhaitez, sur des thématiques européennes qui vous intéressent en français dans des espaces que vous créez. Et Nicolas, certainement, avec son chapitre superactif, pourrait y participer aussi. Donc nous avons un bureau, évidemment, en Afrique, qui est en partie francophone, donc ça c'est quand même une bonne chose, mais si vous le désirez sur des thématiques européennes, nous sommes prêts à intervenir, mais pas spécialement devoir bouger, mais à intervenir grâce à l'Internet. Voilà, c'est ce que je voulais peut-être injecter ici, c'est une francophonie vraiment très pragmatique, c'est-à-dire celle basée sur l'échange de choses que nous produisons et que nous pouvons continuer à s'échanger, sachant que nous à l'ISOC, et on s'y fait fort, nous voulons effectivement de plus en plus que l'entièreté, enfin pas l'entièreté, mais les documents que nous semblons les plus importants soient évidemment traduits en français pour qu'ils puissent être exploités. Merci beaucoup, à votre disposition pour en discuter, mais quel plaisir de voir tous nos amis ici en français, ça c'est une superbe occasion. Merci beaucoup. Oui, mon voisin me rappelle élégamment que j'aurais dû dire que non seulement je suis basé à Bruxelles, mais je suis responsable du bureau européen de l'Internet Society. Voilà, merci. Merci Fred. Je voulais peut-être juste adresser deux, trois petites choses. Merci déjà de tout l'échange et des idées, je pense que c'est génial. Tout d'abord, pour nos amis africains dans la salle, je dois vous faire un petit coucou de Victor, qui est désolé de ne pas être là, mais que je viens d'avoir ici sur message. J'avais une petite question pratique, justement. Et donc, il me dit, oh là là, mais faites-le un grand coucou. Donc, voilà, de ce pas, c'est fait. Message passé. La petite question que j'avais par rapport à Victor, j'ai envoyé un petit message. Maintenant, je sais qu'il a créé un groupe WhatsApp il n'y a pas très longtemps. Je pense que quelques-uns d'entre vous en font déjà partie. Donc, pour les Africains, je suis désolée pour les autres. Et donc là, j'avais juste une petite question. Est-ce que c'est en français ou est-ce que c'est en anglais ou est-ce que c'est bilingue? Il m'a dit que c'était bilingue. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait faire un groupe? On a le groupe Facebook, on a le groupe sur Connect aussi. Donc, on peut continuer les conversations de ce côté-là. Je voulais faire une petite proposition par rapport au contenu, partage de contenu. On a un système, vous aurez un message un peu plus long, un système qu'on a mis en place pour le partage des documents, de logos, etc. Donc, si vous allez sur le portail, je peux vous envoyer les informations par après. Donc, si vous allez sur le portail, si vous cherchez vos logos de chapitre, par exemple, ça vous emmène sur un outil où vous pouvez récupérer donc les logos des chapitres. Il y a moyen aussi de mettre des documents. On pourrait très bien imaginer d'avoir simplement un endroit avec tous les documents en français et avoir une collection francophone, on va dire, de partage de documents en français. Donc ça, c'est une chose qu'on pourrait faire très, très facilement. Donc même par thème, éventuellement, avec des sous-fichiers ou des trucs comme ça. Bon, ça, on peut en discuter sur le côté pratique. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement mettre en place si ça peut être utile. Je vais juste mettre une pause parce que je sais que ça va revenir. La réunion ICANN, on est en discussion avec Destiny et l'équipe et avec Olivier et Maureen de l'autre côté. Donc Sébastien, on en discute, juste pour que tu saches. Voilà, mais comme ça. Voilà. Je sais, je suis des deux côtés. Mais je sais. Mais tu es partout, Sébastien, tu es partout. Donc voilà, donc je voulais juste, voilà, j'ai pas encore de choses concrètes, mais on est en train de voir si on peut faire quelque chose et si on fait quelque chose, quelle serait la forme. Donc une fois qu'on a défini tout ça, on peut discuter à ce moment-là de réunions francophones ou séparément. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire qu'on a entendu. voilà, je pense que de mon côté, c'était surtout, je pense qu'il y a... On a le même problème, je voulais peut-être juste partager ça, enfin problème, c'est pas un problème, c'est une opportunité au fait, avec nos chapitres en Amérique latine,
où on a l'Amérique latine et les Caraïbes, et donc du coup on a des chapitres anglophones et des chapitres espagnols, enfin hispanophones. Et donc là aussi on essaye de gérer ça. C'est vrai que souvent les non-anglophones essayent toujours de s'accommoder, de parler en anglais, alors qu'on essaie, enfin, l'anglais n'est pas non plus ma langue maternelle. Je suis flamande, en fait, d'origine. Donc voilà, je ne parle même pas ma langue maternelle, mais ma langue paternelle. Donc voilà. Et donc du coup, c'est vrai qu'on essaie toujours de s'accommoder, d'essayer de voilà, la réunion est en anglais. On va, même si les gens vous disent vous pouvez vous exprimer en français, si tous les autres ils parlent en anglais, ben on essaie quand même de s'arranger. Et c'est pas toujours facile. Et on n'arrive pas toujours à s'exprimer vraiment comme on a envie, de trouver les bons mots, les bonnes subtilités, etc. On essaie en Amérique latine, par exemple, on fait comme en Afrique d'ailleurs, on fait les appels en anglais et les appels en français. On fait deux appels, donc on fait deux appels séparés dans les deux langues. L'avantage, c'est qu'on peut s'exprimer plus librement et plus facilement dans sa langue. L'inconvénient, c'est qu'on rate le partage avec les chapitres qui sont dans la même région, mais qui ne sont pas de la même langue. Donc, c'est un peu une balance à trouver. Je pense qu'on a besoin de vous tous pour nous dire voilà, jusqu'à quel point est-ce qu'on veut se séparer, jusqu'à quel point est-ce qu'on a besoin de partager et quelles sont les façons dans lesquelles on peut, nous, faciliter cet échange intralinguistique tout en restant dans la problématique de la région, je pense à l'Afrique à nouveau, donc désolé pour le Canada, enfin le Québec et la France, mais je pense que c'est une chose à réfléchir. Est-ce qu'on fait un appel une fois tous les 3 mois, 4 mois, juste pour les francophones, et là on inclut vraiment toute la francophonie? Est-ce que ça pourrait faciliter certaines choses, des échanges, des partages de problématiques liées à la francophonie? Est-ce que, et jusqu'à quel point est-ce que vous voulez vraiment la séparation des langues ou la facilitation le partage entre les langues? Je pense que c'est au Canada, on a le même souci, voilà, entre les langues, même plus, on va dire. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais je pense que voilà, c'est important qu'on y réfléchisse et qu'on trouve des solutions. Oui. Alors, moi, j'aimerais d'abord revenir sur des aspects plutôt sémantiques, parce qu'on l'a vu un peu des fois dans les premières présentations, dans le premier rang, de qu'est-ce que c'est que l'ISOC francophonie déjà, pour commencer par là, et qu'on s'entende bien sur le fait que nous sommes ici face plutôt à la conception d'un genre d'espace, de discussion, d'échange, de rencontre. On ne parle pas d'organisation, on ne parle pas de structure, dans le sens où il y a eu des précédents, et pour ceux qui étaient témoins des premières tentatives en 2003, historiquement, de cette initiative-là, on sait qu'on ne veut pas commettre d'impair par rapport justement à la relation d'affiliation et à l'écosystème global, disons global, à laquelle dont on fait partie, et surtout de ne pas justement rentrer ici dans des considérations d'ordre purement linguistique, nous opposant ou nous démarquant d'un tout, d'un écosystème dans lequel on s'identifie en tant que chapitre. Donc partant de là, moi je me dis, je sens qu'il y a quand même des frustrations hein, qui font qu'aujourd'hui on voudrait pouvoir orienter ce regroupement francophone ou ce réseau, ou appeler le espace, appeler le comme vous voulez, on voudrait pouvoir aller au-delà, par exemple, du simple espace de liste de discussion ou de groupe Facebook ou autre, et qu'on puisse, et là je fais le lien avec ce qui a été dit par Sébastien, et dans la perspective, par exemple, de prochaines rencontres internationales, on voudrait aller dans la définition de nos préoccupations communes, de nos problématiques qu'on peut partager, des bonnes pratiques, on l'a dit, de sorte à ce que il y ait comme un fil conducteur, et qui est comme qu'on maintienne plus le contact entre nos rencontres ponctuelles, et que quand on arrive à une, par exemple, à la prochaine rencontre, qu'on sache peut-être les problématiques fortes que notre groupe, en tant que francophone, décide peut-être de porter en avant, sachant que chaque chapitre a aussi quand même ses problématiques locales, hein, on s'entend. Et donc,
D'où, dans ce sens, parlant de nos problématiques locales, mais dans laquelle je pense que certains de vous peut-être peuvent partager, au cours de ces dernières années à Isoc Québec, on s'est beaucoup préoccupé de la question du contenu local. D'ailleurs, il y aura une session là-dessus demain organisée par l'OIF. On a développé un projet qui s'appelle Click Québec, qui a bénéficié donc d'un financement Beyond the Net et qui visait à promouvoir le contenu local québécois francophone sur Internet. Donc, tout ce qui est identité francophone, diversité culturelle francophone en ligne. Et Click Québec, aujourd'hui, ça va se traduire par une vitrine, une plateforme où on met en avant des contenus, donc ça peut être des contenus audiovisuels, des films, des trucs, mais qui valorisent justement le patrimoine culturel francophone. Et connaissant la richesse culturelle d'autres pays francophones, notamment en Afrique, je pense que c'est le genre d'initiative qui peut être facilement répliquée et que ISOC Global serait même prêt peut-être à soutenir une collaboration dans ce sens pour que nous vous aidons à peut-être répliquer ce genre d'initiative-là pour la valorisation de vos contenus locaux. Autre chose qu'on a essayé de faire aussi, c'est, et ça rejoint encore les objectifs de ce groupe, développer l'écosystème francophone de l'Internet. Donc nous, on a essayé de le faire au-delà même des frontières du Québec, en allant dans d'autres provinces qui sont a priori non francophones, et de montrer qu'on existe justement et qu'on a aussi des préoccupations qui doivent être prises en compte dans les politiques nationales, dans les stratégies numériques nationales. Donc je pense que ça aussi, c'est le genre de travail de sensibilisation, de mobilisation que beaucoup d'autres chapitres peuvent reprendre à leur compte. Et pour finir, on prend en compte, on s'occupe beaucoup, on se préoccupe beaucoup de la question du renforcement des capacités. Et là, on vient d'initier un projet avec le chapitre ISOC Côte d'Ivoire, où dans 2 semaines, on ira faire une formation sur les principes et défis en matière de gouvernance d'Internet, et donc comment on forme la prochaine génération de leaders en matière d'Internet. Le projet s'appelle d'ailleurs Leader Internet de demain. Et c'est le genre d'initiative qui, typiquement, peut-être aussi avec, en collaboration avec d'autres chapitres comme la France, de chapitres européens, mais avec vous, des chapitres africains francophones, qu'on puisse avoir des occasions comme ça d'ateliers, de formation, de renforcement de capacité, où on peut s'appuyer sur des experts locaux, mais où nous aussi, on peut venir partager avec vous des problématiques en matière de compétences, de façon technique, sur ces enjeux-là. Et pour finir, quelqu'un a soulevé la question tout à l'heure, l'idée peut-être d'une école, d'une school de la gouvernance d'Internet. On sait qu'il y en a plein d'initiatives maintenant qui ont fait des enfants en Amérique latine, en Amérique du Nord. On a plein de EuroSIG parmi les premiers, pour ne pas parler que cela, mais on n'en a pas de francophones. Donc nous, on y réfléchit actuellement à Montréal, et peut-être ça va se faire aussi avec, en collaboration avec vous, cette idée-là d'avoir peut-être une école francophone sur la gouvernance d'Internet, où là, on aura des formateurs en francophonie. Ça se fait déjà avec le Burkina Faso qui fait la formation des formateurs en matière de gouvernance d'Internet, mais on n'a pas une véritable école labellisée en tant que telle pour notre région. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut capitaliser ou essayer en tout cas de faire du chemin. Et parlant, pour finir, de l'ICANN 66, donc cet événement début novembre prochain, donc dans un an pratiquement, nous en tant que chapitre local, donc on va travailler avec ISOC Global pour bien évidemment organiser ce qu'on a traditionnellement l'habitude d'organiser dans le cadre des rencontres ICANN, donc une rencontre ouverte à tous les chapitres, hein, pas que francophones, ça on pourra le faire, mais on souhaiterait quand même marquer ce momentum là d'avoir non pas juste une session d'une heure ou deux heures, mais d'avoir peut-être une demi-journée ou une journée complète, profitant des nombreuses délégations qui seront là dans le cadre de Attelage Summit. Et nous, on peut aller chercher des financements complémentaires pour justement faire venir beaucoup plus de délégations francophones et peut-être des représentants du chapitre francophone. Mais je pense que ce qui sera important, ça ne va pas être de faire venir des gens pour faire venir des gens, ça va être, et ça, il faut se donner cet objectif, de venir justement approfondir nos bonnes pratiques, nos projets, et donc ce qu'on va peut-être faire venir, que ce soit des gens qui en amont ont soumis peut-être des projets ou nous ont envie de venir faire des présentations. Et là, nous, ça va être plus facile pour nous d'aller chercher des partenaires en disant, ben regardez, on aura cet événement où des gens viendront parler de choses innovantes qu'ils font, de choses exemplaires. Et donc, ça va être plus facile de pouvoir financer, assurer la prise en charge et le déplacement de plusieurs d'entre vous qui n'auraient pas été pris en charge par l'Atlas Summit ou par d'autres dispositifs. Donc, on peut y penser, et je pense que le plus important, à partir de maintenant, moi, j'adhère vraiment à l'idée des rencontres, des appels téléphoniques mensuels, il faudrait qu'on maintienne le lien tout le long
pour faire en sorte que on puisse arriver là, mais en étant très préparé, en ayant des choses concrètes à montrer, ou tout au moins en allant au-delà des discussions qu'on a amorcées ici. Merci et désolé d'avoir été un peu long. Sébastien. Merci Philippe. Je voulais juste dire sur la question de la langue, la question de la langue, ce n'est pas seulement je fais de la traduction. La traduction ou l'interprétation, c'est un élément important pour permettre aux uns et aux autres de participer. Mais ce dont il est question là, c'est, moi quand je réfléchis dans une langue ou dans une autre, je ne réfléchis pas de la même façon. Et je pense que notre façon de réfléchir en français n'est pas la même façon que les anglophones réfléchissent. Et donc, ce qu'on va sortir de ces réflexions, elles seront différentes. Et c'est là où c'est important qu'on le prenne en compte. C'est pas une bataille de langue, c'est une... les Français aiment beaucoup l'exception culturelle, mais c'est une question de culture. Alors, bien évidemment, chacun de nous a une culture aussi différente, mais globalement, quand on regarde, par exemple... Quand on utilise des mots, même si c'est le même mot en anglais et en français, ben, il ne veut pas dire la même chose. Et donc, on a des problèmes de compréhension, ça c'est une chose, mais on a aussi l'immense avantage de pouvoir amener sur la table de la discussion des choses qui ont été réfléchies de façon différente. Et c'est là où notre plus-value, le fait qu'on ait des moments en français, sera utile pour la collectivité globale, pas seulement pour nous. Ce n'est pas un problème de nous contre les autres, c'est nous avec les autres. Merci. Sur la question de la langue en rapport avec les contenus, je suis parfaitement d'accord avec Sébastien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque vendredi, je suis sur cette épreuve de vouloir traduire un peu des contenus anglophones vers des contenus francophones. Et là, je me rends compte des fois... C'est extrêmement difficile de le faire. Je me permets des fois de donner un pourcentage qui se situerait à 60%, 65%. Donc ça signifie que je ne peux pas traduire exactement ce qui est écrit en anglais vers le français. Et de là, je me dis que, en fait, comme il l'a dit tout à l'heure, la langue est véhicule de culture. C'est notre ressentiment qu'on écrit, c'est ce qu'on vit qu'on écrit qui est différent de celui de ce que vit l'autre. Et par conséquent, ce que j'en tire, c'est quoi? C'est que si on pouvait aller directement, nous, dans la création de nos propres contenus, je sais que aujourd'hui, parce que généralement, l'information que nous essayons de mettre à disposition des gens, c'est des informations journalistiques qui nous viennent de la presse. Si on a cette presse francophone, avait-il des sujets d'actualité sur l'Internet, sur la gouvernance d'Internet? Ou bien nous-mêmes, qu'on essaie d'aller vers la production d'informations et de contenus qui est de notre ressort, et qui recoupe avec les préoccupations de la gouvernance d'Internet. Je pense que ce serait extrêmement intéressant pour nous d'avoir nos propres contenus à véhiculer et qu'on ne se mette pas à chaque fois à vouloir traduire d'autres langues qui, à chaque fois, a cette déformation et qui ne véhicule pas exactement ce qu'on veut faire. Merci pour tout. Bon, merci. Bon, je n'ai pas de remarques par rapport à la langue, mais je fais quelques remarques sur... l'absence des jeunes, surtout les jeunes francophones, dans les milieux, dans les événements mondiaux. Aujourd'hui, on est en France, un exemple simple. Les Français devraient être là, surtout les jeunes français. Ça leur concerne vraiment, c'est dans leur pays, c'est facile d'accéder et c'est facile de venir participer, mais on ne le voit pas. Par contre, quand on vient dans des événements mondiaux, les anglophones sont bien représentés. Ils sont là partout et malheureusement, en tant que jeune, ça me fait mal de ne pas voir mes frères francophones présents. Donc, soit il y a un problème d'organisation qui se pose là et il y a un problème de facilitation pour le déplacement et tout. Donc, ce que je suggère en tant que francophone, il faut qu'on revoie notre système pour accompagner les jeunes, surtout les étudiants et les jeunes qui se sont lancés dans le côté de la société civile, de venir participer dans ce genre d'événements. Donc c'est vraiment très important pour nous aujourd'hui de participer, de faire des connaissances premièrement, de s'échanger et en même temps d'avoir des expériences. Donc il faut que les jeunes, ils constituent le futur du monde, donc leur présence est tellement nécessaire. Merci.
décennies. Je trouvais que le point soulevé par Mamadou était très intéressant, très pertinent, dans le sens où, déjà on profite pour reconnaître et souligner vraiment l'important travail de veille et de partage d'informations que tu nous fais, que tu nous nourris, mais je pense qu'effectivement on pourrait aussi t'enrichir, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresserait comme option, mais je sais qu'il y a beaucoup de chapitres d'entre nous, en tout cas certains, qui ont peut-être des infos lettres et qui publient des choses pour leurs membres, mais qui sont des informations liées à leurs activités et autres. Est-ce que des fois, quand on a des informations comme ça, ce ne serait pas bien qu'on l'envoie vers Mamadou, qui peut-être puisse l'intégrer éventuellement dans son infolettre? Comme ça, ça nous permet d'avoir un truc centralisé plus sur les activités des différents chapitres francophones et de nous tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui se fait par les autres. En tout cas, nous, on pourrait prendre l'initiative de partager avec toi si on a des informations, des activités ou des analyses, des tests, des trucs liés à la situation au Québec, en lien avec l'Internet, de pouvoir le partager pour que tu le relaies comme tu le fais si bien sur les plateformes. Mais c'est important qu'on produise nous-mêmes nos contenus et qu'on n'aille pas tout le temps aller chercher des contenus pour tuer en anglais et qu'on traduit en français pour la communauté. Ce serait bien que la communauté commence par partager ses propres informations sur ses propres activités et qu'on s'en nourrisse. Sur la question de la représentation, je vais m'adresser peut-être à Joyce. C'est un problème qui se pose, on le voit dans tous les écosystèmes, que ce soit avec l'ICANN, les rencontres de l'ICANN et autres, soit des problèmes de visa parfois, soit des problèmes même de mobilisation des participants au niveau local, mais soit aussi des questions donc de bourse, de fellowship. Et là, je sais que Isaac a le programme des ambassadeurs. Je ne sais pas s'il y a un quota, un minimum dédié par exemple, peut-être ou pas, aux francophones, surtout quand l'événement intervient dans une région ou dans un pays français. Et est-ce qu'il ne faudrait pas pousser ça un peu quand même pour qu'on ait plus de jeunes, par exemple, qui participent On n'a pas de quota linguistique. D'accord. Parce que si on fait pour les francophones, il faut qu'on le fasse pour les hispanophones, pour les latinophones. Je comprends. Donc c'est vraiment par rapport aux compétences des jeunes, et etc. Donc il y a une diversité qui est maintenue au niveau géographique, mais pas linguistique. Pas linguistique, ok. Merci. Je vois des personnes qui viennent d'arriver qui ne se sont pas encore présentées. Laura Letourneau, je travaille sur la neutralité du net et la qualité de service des réseaux Internet à l'ARCEP, le régulateur français des télécoms. Merci. Bon, ce que je retiens de nos échanges jusqu'à présent, c'est qu'il y a un vrai besoin de francophonie entre nous, un vrai besoin de réseau, de mise en relation pour partager nos productions, avoir des outils de partage de documents, partage de traductions, si certains traduisent déjà. On a déjà... c'est l'occasion de le remercier, le remarquable travail qui est fait par Mamadou sur la revue de la gouvernance hebdomadaire. Est-ce que certaines personnes, on a encore du temps, est-ce que certaines personnes désirent encore s'exprimer? Oui. Non, en fait, pas pour s'exprimer, mais on a d'autres engagements dans d'autres salles, donc on essaie de voir si c'est bon. Étant donné que la plus grande majorité de la présentation ici, j'en suis fière, c'est tchadienne, donc ils peuvent nous faire le relais pour le feedback, si possible, parce que je demande juste l'autorisation de quitter la salle. Accordé, on allait justement faire un mot de conclusion par Nicolas Chani. Merci. Nicolas. Ok. Donc déjà, merci à Philippe d'avoir organisé cette réunion et à Joyce d'être là pour nous soutenir. je retiens qu'il faut qu'on continue à échanger. Enfin, l'idée de se parler régulièrement, c'est bien. Dès qu'on aura accès aux outils, enfin, je vais aller voir. On vous mettra à disposition tout ce qu'on a qui peut justement servir de matière. Et je vous invite à nous. Enfin, pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin qu'on adapte des choses, qu'on travaille sur des choses, etc. Et la proposition qu'a fait Frédéric tout à l'heure aussi de
pouvoir intervenir à distance quand il y a besoin, etc. C'est des choses qu'on peut tout à fait mettre en œuvre, qui sont faciles à mettre en œuvre. En plus, au niveau de l'ISOC global, il y a les outils pour le faire qui sont à notre disposition. Du coup, on peut quand même les mettre en œuvre de manière assez simple. Et donc voilà, n'hésitez pas. Après, j'ai juste un mot sur la représentation des fois des Français ou des francophones dans ce type d'événement. Déjà, il y a beaucoup de gens de la France qui sont là quand même, hein, même si on les voit pas parce qu'ils parlent souvent anglais. Mais par contre, moi, je fais passer beaucoup de messages au FGI France et dans les ateliers, en disant aux gens de venir, en disant aux gens que aussi tout n'est pas en anglais. Il y a des sessions qui sont en français, il y a des sessions qui sont traduites, il y a la traduction simultanée sur un certain nombre de sessions quand c'est possible. Et du coup, j'incite beaucoup les gens à venir en disant n'ayez pas peur de la barrière de la langue, venez. Moi, je parle pas un super anglais. Hein. Non. Mais des fois aussi, venez vous exprimer. Venez, on est des gens de tous les pays, donc de toute façon, on n'est pas jugé sur la façon dont on s'exprime, etc. Et du coup, je fais passer énormément ces messages-là parce que je pense que notre réussite, c'est quand il y aura plus de francophones, mais aussi plus de gens de tous univers et pas toujours les mêmes gens qui soient là. Donc moi, dans les événements locaux, je fais passer énormément de messages comme ça en disant « j'en venais, c'est pas des discussions de spécialistes, il faut pas forcément savoir comment fonctionne IPv6 et il faut pas forcément parler anglais. » Voilà. Un dernier mot, je l'ai pas fait, pour excuser nos amis nord-africains francophones aussi, qui ont une réunion au même moment. Je vais juste dire un petit dernier mot de mon côté. Juste pour ajouter à ce que Nico disait par rapport aux interventions et donc ce que Fred avait proposé, on a pas mal de gens au niveau du staff qui parlent français aussi. Donc n'hésitez pas, ne pensez pas que ce n'est pas possible parce que c'est en français. Posez toujours la question. Sur certains sujets, ce sera peut-être plus compliqué, mais n'hésitez pas à poser la question. Je crois qu'on a une quinzaine de personnes quand même en interne qui parlent français et qui se font un plaisir de faire des interventions en français. Voilà, n'hésitez pas à poser la question. Vraiment, c'est avec grand plaisir. Si on peut le faire, on le fait. On le fait en espagnol aussi, donc il n'y a pas de raison pour laquelle on ne le ferait pas en français. Donc voilà, donc je voulais juste rajouter ça comme dernier petit mot. Et puis surtout, ça me fait vraiment, ça me fait plaisir. Et on organisera, je ne sais pas si quelqu'un prendra un petit peu le lead, je pense que Philippe, ce sera plutôt toi. On pourra organiser des appels plus réguliers pour le groupe de la francophonie. Vous nous direz à quelle échéance, tous les mois, tous les deux mois, tous les six mois, enfin peu importe, vous nous direz ça. On peut définitivement aider avec la logistique par rapport à ça. Et si vous avez des idées, si vous avez des questions, on est ouvert. On pourra peut-être pas tout faire, mais à nouveau, on est là pour soutenir le travail multilingue. Et donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous dites, pourquoi ça, est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça. Si on peut le faire, on le fera. Donc Merci Joyce pour ton soutien, merci à tous et bon FG.
France. Hello everyone, we will be starting now. I'm happy to welcome you to this session on regulation for a neutral and open internet at the age of online platforms. We are very happy to introduce our speakers. We have Paola Forteza, a member of the French Parliament, which will bring her expertise as a rapporteur for the law on the GDPR in France, and which is part of the working group of the constitutional revision to include digital bill of rights in that constitution. We have also Sébastien Soriano on my right, which is president of the telecom regulator ARCEP, and which will bring his expertise on a data-driven regulation. Also, we have Theodore Christakis, member of the French Digital Council, which is an independent advisory commission created to address digital issues in France. We have Luca Belli from the Brazilian Academic, which will chair his point of view of civil society and how can this be an active movement of democracy. Finally, we have Sherif Diallo, which is director for ICTs at the Telecommunication Ministry in Senegal, and which will bring a state-centered approach. I give the floor right now to the first speaker. Hello, thank you everyone for being here. I would like to share with you some ideas that I've been having that are not yet consolidated, but it's more like an invitation to comment that I would like to launch today. I've been thinking about this concept that I like to call open regulation or regulation by society. And it's the idea that on top of the action that regulators have to do, we need to give the tools and the resources so that people themselves become regulators. And so we need to give them the data, we need to give them the rights, legal rights, and we need to give them the access so that they can understand what is at stake and that they can act by themselves. So I think this can, we can precise this on several aspects, but one of the first is how we modernize the action of regulators, how we open up regulators themselves, and we can think about how they can start working with the RegTech ecosystem, for instance, through open innovation, through maybe to put in place labs so that this interaction can take place. We have, for instance, in France, the CNIL, so that is the agency that takes care of data protection, that has a very dynamic lab where all these things take place. We need to have also regulators that consult people. We see in the US this is something that is being done very regularly. I still remember the time where John Oliver did a little speech on the TV on net neutrality, and the result was that in a couple of days we had 150,000 comments on the FCC website. So that's the power that we can have when people realize what's at stake and they have the place where they can express themselves. Another thing where we can modernize regulators is by working through data, regulation through data. And on that, the ARCEP is doing a very good job. So I'll let you maybe talk about that. But we also need not only data that regulators can access, but open data, for instance, on how algorithms function, recommendation algorithms. We've been working on the fake news bill in France on a way to have transparency on algorithms without giving up on
the secret of affairs. And so the idea was to open up statistics, aggregated statistics on the output of algorithms so that we can understand the biases and which kind of content is put, it's more diffused than others. So this is for the modernization of regulators. But we also need to give people rights that they can activate. And this is something we've been working, for instance, through the GDPR. And one of the most, I think, important rights that we put in place was the collective action that has started to be used in France by, for instance, La Quadrature, and also by the Internet Society. So they've launched a new collective actions a couple of days ago with a very beautiful website called ebasti.org. So I invite you to go and see what they've done, because it's very, very clear and a very interesting approach, because they promise a compensation to people who join of more or less 1,000 euros. So that's something that we put in place when we were working on GDPR in France, because the collective action for data protection existed already, but we added this possibility to have a compensation when there's a prejudice. On this idea of rights, we also have the portability, that is a very interesting concept that we still need to operationalize. And I think Emmanuel Macron did a good point on that yesterday, on saying we need the tools that will make this a concrete right that we can use. And we've also been working on this constitutional bill, where we would put in place like the big concepts and the big rights that overrule our way of interacting on the digital sphere in the French society. The last point that I would like to make is that in order to be also in this sphere of open regulation, we need to stop talking amongst each other. We're always talking between experts and using very technical terms, and we're not, we're not getting or reaching citizens. Yesterday, Macron did a very beautiful speech that I think was fundamental, and the media didn't diffuse it at all. We had one or two paper reviews, but not more than that. And I think that it's he's talking about the future of our society in a way that is really crucial and fundamental. So I think that we need to see how we can talk to the public opinion. We need to choose the words. We need to choose the images. I still remember also the video that Burger King did to explain net neutrality. That was they were using whoopers to explain how net neutrality functioned, and it helped people really understand. So we need to find these issues, and also trying to maybe sustain and convey people that mobilize with civil society. So we have, for instance, the Save Your Internet mobilization that took place at the European level. That was an interesting thing to just explain what was at stake to the big public, to a broader audience. We also have this new campaign by Tim Berners-Lee for the web, where he's trying to defend this idea of an open and decentralized net. And these are also campaigns that are trying to mobilize a different kind of actors, not only the experts that we see talking about these issues on a daily basis. So I think these are some of the points that I've been thinking about on the last few months, but I would like to have your ideas on that and the returns of the other members of the panel on these issues. Thank you. Thank you, Paola. We indeed need to reach out to citizens.
I would like to give the floor to Sherif Diallo on the state government perspective. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. The concept of net neutrality is that all internal traffic must be treated equally without any discrimination and regardless of senders, recipient type, content, device, service, or application. So the first most important principle is to ensure identical treatment for all providers, large or small, consensual or not. This principle was not down in Dutch and the Slovenian laws and reaffirmed by the Federal Communication Commission of the US government in its opinion issued in March 2015. That means that symmetrically, users must be able to access the information and the content of their choice without discrimination. Under this principle, providers must neither block nor conversely guarantee preferential treatment to one actor over another. For example, sometimes there are slowdowns in video viewing speed depending on the internet access providers. So my objective of net neutrality must be first to develop a very rich digital ecosystem favorable to freedom of expression and information access. Secondly, to promote the freedom of creation through an open internet and to generate innovation through unfiltered contribution. Finally, net neutrality should help to preserve a digital public space that brings freedom and innovation. We have some regulatory aspect of net neutrality. It is necessary to have a new legal framework which brings a strong principle of neutrality responding to concrete situation and taking into account the economic stake. So net neutrality should help to develop a grid principle for network infrastructure, but also for access and communication services. The principle must be fair and must complement the existing law. The principle of net neutrality must aim for the future because we have a lot of innovation every day. In Senegal, we have a project of updating and harmonization of the ICT legal framework. In this project, we have some action plan. And first, we must clearly state the principle of network neutrality in ICT laws for end users, for internet service providers, for infrastructure providers, operator, for content providers, for application and service providers. The second principle for us is to supervise and strictly limit the use of some specialized services. This is to take all action for providers that they must be able to offer their, some specialized services, as for example, telemedicine, which is a set of medical procedure, diagnosis, surgical intervention, continuous surveillance, monitoring, that are carried out remotely by means of a telecommunication network. The use of their specialized services
is justified by the development of innovative services that require guarantee quality of service, whether for confidentiality, latency, or other security reasons. In this way, the specialist services must remain the exception and must by no means, by the multiplication, reduce the quality of the public internet, as we can understand. Then, in this legal framework of ICT in Senegal, we have to set up a strict supervision of these exceptions which are necessary to prevent the emergence of a multi-speed internet. So we have to set up a definition of the services which must allow providers to supplement the limit of the internet best effort by using services with quality of services which are guaranteed, which is guaranteed. Another principle in the legal framework is to apply the principle of net neutrality to all network technology. The net neutrality debate is always evolving as technology advances, so it is necessary to adopt a broader definition of net neutrality beyond physical network alone in order to aim for mobile network, particularly in the face of so-called zero rating practices, which consist in offering certain unrestricted and uncompleted services of the mobile data plan, for example, for YouTube or Facebook, which are unlimited on certain 3G or 4G plan, phone plan. So we must also help to guarantee interoperability of standard, including connect object. In this legal framework, in Senegal, we are also trying to give oneself the means to control and observe the application of net neutrality. There are different practices that derogate from the neutrality of the net on mobile network and on the one hand, but also on fixed network. Sometimes transit agreement and peering agreement negotiated between infrastructure providers and some operator content application providers do not fit exactly the principle of net neutrality. This agreement must not constitute the Trojan horse of an attack on network neutrality. So it is necessary for us to ensure transparency and to ensure that subscribers are aware to the technical performance, are aware of the technical performance of internet access offer, including traffic management practices in some situation of congestion and differentiation. This legal framework in Senegal must also help to impose transparency, to contribute to enhanced transparency obligation on providers, on operators, by auditing by independent organization the risk of network congestion and the subject mobile network and the connected object network must be subject to the same fairness and quality of services control rule as for fixed network. Finally, in Senegal, we are trying to give more means to control and objective and observe the application of net neutrality by giving to the regulatory authority a right of scrutiny over peering and transit agreement. The authority will ensure that these agreements are not source of imbalance in the treatment of contents, especially for the benefit of powerful actors. And the authority of regulatory
we will try to federate feedback on the quality of service produced by the various categories of actors, civil society, developers, technicians, internet users, company, aggregated and published by the regulatory authority in open data. These are some principles we are trying to fit in order to update and harmonize the ICT legal framework in Senegal. That's my last word. Thank you very much. Thank you, Sherif Diallo. I do like the idea to adopt a broader definition of net neutrality. And I would like to now give the floor to Sébastien Soriano, which can talk about data-driven regulation. Merci. Thank you very much. And thank you to Paula Forteza, who proposed to me to intervene in this panel. Just before presenting you several stuff, I just wanted to, if you are tired in advance to listen to me, you can also look to my Twitter account because I've published the official intervention. So maybe it can be easier for you to read. And to make it more living, I will not exactly present the same thing that is written down. So the question of the day, if I sum it up, it's about, okay, internet and regulation, what do we do? The first question is why to regulate? And I think that this question is really in the hands of politicians. It's not me as a regulator that have to say that we have or not to regulate. And I think we have, from yesterday, a very strong assumption from the President Macron about the answer, his answer to the why is I want an alternative to the Californian and the Chinese internet. So I think that's really his perspective, assuming that none of these internet is democratic or truly decentralized. I think it's objectively clear for China and for the United States, it's because of the big tech. I make it short. That's the why. Then the question is, what do we want to regulate? And here, I will not go into details on that subject because there are many debates about do we want to regulate platform, what is a platform, do we want to regulate social media, what is a social media, is Tinder a social media, do we want to regulate this or that? So this is a very important debate, but I think this is not the main debate of the day. Just to mention you that in RCEP we have done a very important work on a specific issue, which is the devices. We have shown that there are many restrictions on devices, and we make proposal to, we consider devices as the weak link of the open internet, and we make proposal to open up it and to give more freedom to the consumers. And I invite you to visit the booth of RCEP, where you will have all the teams. Thank you for the teams that will present you this report in details and all RCEP works. So. If you allow me, I will concentrate. I will focus my words on how to regulate. And here, I totally follow what Paula Forteza says about the fact that the end game is to empower the society and not to fix the solution by the regulators themselves. So, in other words, all the regulation that we have to think is as an endpoint: how to empower people, how to empower consumers. Let's be clear, it's a total disruption in regulation. As I like it to make it in French, si nous voulons réguler les barbares, il faut barbariser la régulation, which in English makes, if we want to regulate the disruptors, we have to disrupt regulation. So what means to disrupt regulation? So first, we have to be clear about the fact that our classical tools doesn't work anymore. What are our classical tools? We define a rule and then we enforce it. This doesn't work for two reasons. The first one is that the time to understand what is happening, the time to write it down in a law, the time to write it down in a decree, the time to enforce it, what we wanted to regulate has changed. And there is a new hot topic that has appeared, and the tools you have developed are not useful to solve the new problem.
So the first factor is time and the acceleration of the innovation rhythm. The second factor is the worldwide scale of the market player. It's not easy in France. I fully respect the French Parliament, but if the French Parliament votes a text that say, I want Google or Facebook to do this or that, it's not so easy to make it real because of this international footprint of the market player. So we have to invent new tools. So the first main solution that we are proposing in RCEP and that we have actually, and I insist on that, that we have actually developed in our telecom regulation, and that we think that this type of regulation could be of interest dealing with internet, is about regulating with data, also called data-driven regulation. You can also call this crowd regulation if you prefer. So what does it mean? It means use the data to influence the market. Very simply. So I just give you one example of what we are doing. So we have a complete program of regulating with data in RCEP, and this is written down in my paper I just published. So just to give you an example, as a telecom regulator, we have seen that the consumers in France, they are very interested in the quality of the mobile network, and especially the coverage of the network. But they have no clue about which is the best operator for them. And so what we have done is first we have unbundled the data from operators. You know, in the 20th century, we were unbundling the networks. So today we unbundle the data, So it means concretely that we have extracted information from the telecom operator to have on a standardized base their level of coverage. And we have put this information on open data. And then on top of that, we have worked with comparison tools, especially startups. There is one comparison tool we have a partnership with. His name is Cosbee, Q-O-S-B-E-E. If you download this application, you can install a tracker on your smartphone. It follows you during 1 week. And then it can produce a map of where you live with the percentage of time, where you live, where you work, the subway you take, the road you take. And thanks to this information, the application can map it with the information we have published on open data of mobile coverage, and then issue a ranking of operator, not a general ranking, not what is the best operator in France in terms of coverage, but what is the best operator for you. So it means concretely that we have done nothing except having information, putting this information available to consumer, and what happens? Consumer are switching. They are switching from the networks with less coverage to the networks with the best coverage. Because when you have this information and you look, okay, so the best operator for me would be Orange, for instance. Who is my operator? Oh, it's SFR, just an example. I can switch. So typically that's what we see, and this creates a virtuous circle because this incentivizes operator to invest in network to have a better coverage, et cetera, et cetera. So it's really an example of how you can use data to influence the market. And it's clear that you can do this with platforms, giving information about what is the platform that is giving the best privacy to you, for instance, all these kind of things. But honestly, and this is the conclusion of my paper, I'm not sure that regulating with data will be enough. Because in the end, we are playing with big tech players, with big corporations that have developed nudge approaches. So it means that it gives you the flavor and the impression that you have the choice, but actually you are directed very much to do several things on these social networks and platforms. The nudge in itself is not good or bad, but my strong belief is that today as regulator, our role is also to play with nudge and to be the architect of the choice of consumers. I think this is really the future of what a regulator should do. And in that sense, I like very much a proposal. It's from a TEDx New York by, I don't remember the name of the guy, sorry, it's in the paper. It's a smart guy from Union Square Venture. He has made a video where he proposed this idea.
the right to be represented by a bot. What does it mean? It means the right to have a piece of software that represents you online. So you give your parameter the bot, you give him several mandates, and then the bot will interact with the platforms. So this exists today. Just think when you are participating to an auction on eBay. You fix the parameter. I will bid until... Same thing for Google AdWords. When you want to bid to for your advertising to be on top of the search engine. So these bots exist today, but they are totally controlled by the online services. Imagine that all online services has the obligation to open its APIs to interact with bots. Not all kind of bots, of course. We have to create some status for these bots. But it would totally change the relationship between the platforms and the consumer. All the opacity, the complexity will be dealt by the bots. You can also, with this, manage multi-homing without problem. Imagine you are a driver, you can be hosted on several driving platforms thanks to this. So I don't know at what extent this is feasible, and I would be happy to work with you on that. But possibly, this is typically the kind of idea I think we have to really work on. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Sébastien. It's quite interesting indeed to be able to use the data as a tool to empower society to act. That's quite indeed interesting. I would like to now give the floor to Luca Belli about a democratic and collaborative regulation. Thank you. Good morning to everyone. Thank you very much for inviting me. So just to provide a couple of more details on about who I am and where I work. I'm professor of internet governance and regulation at FGV Law School. In Europe, FGV is not really renowned, but it is the most influential think tank in Latin America and also a private university, now considered also the seventh most influential think tank in the world. It was at FGV, together with the Brazilian Internet Steering Committee and the Ministry of Justice, that was at the very beginning conceived the project of what then became the so-called Brazilian Bill of Rights, which is de facto a law. It is not a Bill of Rights, it's not a declaration, it's not a constitution, it's a law. But it's a very relevant law, because it's the very first law that in Brazil has defined rights and obligations for individuals and corporations online, particularly with regard to platforms, application providers, and internet service providers, of course. It has the characteristics of a constitution, if you want, because there are first principles and then it's specified with more detailed norms. But what is particularly relevant of this norm is that it has been produced through an extensive participatory process. Actually, when it was presented as a project with an open consultation, then this was 2009. In 2011, was sent to the Congress, and it became a bill. Before, it was what in Brazilian law is a pre-bill. Then it was discussed by the Parliament, the Congress. There was no agreement on the text, but then the Snowden revelation triggered what one calls the aha moment, where everyone in the world said, aha, now I understand how things work online. And then that was the moment that triggered the adoption of the Marco Civil, signed by former President Rousseff in 2014. And then also the decree that specified some of the norms, with particular regard with net neutrality and data protection, were also the fruit of two different consultations. So this means that actually producing legislation through participation is feasible. It is not something unfeasible. And actually the example, let's say that the example of the French Loi pour une République numérique was actually, I think, highly inspired by the Brazilian previous example. It is very good to see that these kind of good practices are actually spreading around the world. It is something feasible.
it, of course, as any democratic exercise, it requires a lot of efforts, resources, is not easy, and may be hijacked. So we are seeing, particularly in the last years, that democracy also has vulnerabilities. It's like a program. There are vulnerabilities and can be exploited. So one has to understand what is the antivirus that allows democracy to survive and not being contaminated and destroyed, exploiting their vulnerabilities. They are not perfect. So the principle of net neutrality is one of the main principles that are listed by Article 3 of the Marco Civil Internet, which is the name of the law, this Brazilian Bill of Rights. And it's particularly relevant. But I think what both the Brazilian example and the European example, and to some extent also the recent American example, demonstrate is that having a nice legislation is very nice, but it's not enough. And I totally, totally agree with what Sebastian Soriano and Paola Fortesa were saying about the need for regulation, and I would call it distributed regulation, meaning we have seen, for instance, let me give you the Brazilian example, where the law in Article 9 of Marco Civil prescribes non-discriminatory treatment of internet traffic. That is further detailed in the decree, Article 9 again saying that internet service providers cannot give a privileged treatment to any kind of packet or any kind of service, any kind of content, and cannot give a privileged treatment to the services that vertically integrates with them. For instance, if a provider has an application that provides video, that cannot be prioritized or privileged in any way. Well, we have at the same time of these wonderful provisions, then we have very widespread zero rating practices that are tolerated by the regulator, and many people argue that zero rating practices are a violation of net neutrality because they privilege some kind of application and content, and if you look at the regulation and at the legislation, they are forbidden. Also because there are some really flagrant cases of all operators, zero rating, giving free access, subsidized access to their own applications on content, video, media. So that is really exactly the contrary of what is written in the law. So that is to say, I don't want to self-criticize the country where I live. I just want to say that having a nice law is very good, having a nice decree is very good, but then if you have a regulator or regulators or a regulatory framework which is not fit to implement the law or to understand how the law should be implemented. Because I think what is very telling is that the antitrust regulator issued a technical note to justify why zero rating was something feasible and compatible with legislation, following a previous note from the telecom regulator. And they said that decision taken as a result of a case where a public prosecutor was arguing that having access only to Facebook, Twitter, and WhatsApp was a flagrant violation of net neutrality, and it was not compatible with all the regulatory framework we have. And I strongly agree with this. The reply of the regulator was that by using Facebook and Twitter and WhatsApp freely, one was enjoying free access to the internet. Now, not understanding that Facebook, Twitter, and WhatsApp are not the internet. When you have subsidized access to them, you do not have access to the internet. You have subsidized access to three applications. Not understanding this, it's a flagrant lack of understanding of how the internet works. Now, I'm not saying this because I've been working a lot on net neutrality over the past years. I'm not saying this because I think that this kind of situation is a perversion that is going to limit freedom of expression and limit competition. I'm saying this because it's increasingly evident that this is going to destroy democracies. What you also have to consider is that zero rating practices, subsidized internet
access to specific services is particularly widespread amongst people that have lower financial capacity and also coincidentally lower literacy. So you have almost 70% of the Brazilian population that has prepaid internet access, meaning that they are only charging, they are buying, I don't know, 20 reais, it is 5 euros, and they are having their credit plus free WhatsApp, free Facebook, and free Twitter. So you have 70% of the population, which is probably the most uneducated and with less means, that only has the three maximizers of fake news, and it has to pay if they want to check if the news that they receive is true or not. And this is something considered like from the regulators, something that is the free enjoyment of internet. This is an obvious misunderstanding of what the internet is, and is an obvious understatement of what could be the consequences. We have elaborated with the coalition net neutrality we have here, the IGF, that I chair since 2013, a map mapping where zero rating is available in the world. If you just put in your browser zerorating.info, you will find it. And you find some countries that are in blue where zero rating and net neutrality law exist and where there is also data protection. You find some countries like typically Latin America and Europe where there is already some net neutrality, there is already maybe zero rating regulation, and there is already data protection regulation. And those are in yellow. And then you find majority of African and Asian countries which are either orange and or red. Those are the countries where there is either no net neutrality regulation or no zero rating regulation or almost never data protection regulation. And why I'm associating those three? Because why is zero rating? We have to come out of the logic, classical logic of net neutrality where the provider wants to give privilege to its own vertical integrated service simply to let you use a service and not the other one. It's becoming so much lucrative to have people's data, personal data, which it makes economic sense to pay, to subsidize access to a given application in order to extract your data. Now guess what? In all the African continent, all the Facebook group applications are zero-rated. Well, they are all zero-rated all around the world, but in the African continent, where you have no data protection, zero-rated applications, and no net neutrality or zero-rating regulation, it's also the country where Cambridge Analytica and associated partners operate. So we are allowing people to massively collect data and to give to people with low literacy access only to those applications that massively collect data and can spread fake news, and while knowing since at least 8 years that personal data are casually shared with not always good faith actors, and we are not stopping this, we know it. I mean, I think now is the moment not only to think about which norm we want to have, but also which kind of internet we want to have. We want to have a couple of intranets dominated by a couple of super corporations dictating who we vote. Okay, fair enough. We want to have to come back to a generative internet, an internet which is general purpose and where people can create innovation. Then we have to change our mindset. And with this provocation, I would finalize my talk. Thank you, Luca Belli. Indeed, it's quite important to understand what is the internet as a first step to really be able to regulate it. I will now give the floor to Theodore Christakis for concluding remarks before the Q&A and debate part of this workshop. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. And I would like first to say that as my colleague, I'm professor of international law working on cybersecurity, data protection, and artificial intelligence issues. And I'm also a member of the French National Digital Council. And I would like to present some thoughts precisely
on the issue of regulation viewed from the perspective of a lawyer and of our work within the French Digital Council. First, we said a lot of bad things about platforms. Let's start with something positive, which is that platforms have positively disrupted our lives. They were very effective in easing access to information, in easing access to goods, including cultural goods, opened new business opportunities, and the platforms have brought real benefits for consumer and for businesses. This being said, immediately we should add that their development has raised a lot of concerns in various fields, including issues of asymmetry of information and power that have already been mentioned several times, concerns about market dominance and side effects on competition, side effects on consumption, including terms of use who are impossible to read and not very transparent very often. Side effects, especially from a human rights lawyer point of view, on human rights with several issues, data protection and privacy issues, of course, fake news, the concerns about algorithmic discrimination and bias, the issue of illicit content, which covers in reality a lot of different things, terrorist content online, racist comments, abuse of children, intellectual property and copyright issues, several different things, hate speech, and we could add several things. So is there a need for regulation? I will quote what Brad Smith, the chief legal officer of Microsoft, said. I quote, "We need a new generation of laws to govern a new generation of tech." So the issue is pretty clear even for the tech industry. And what happened a few months ago in France is that the Minister for Digital Affairs, Mounir Majoubi, and the French government launched this État Général du Numérique, as we call it, the French Convention on the issue of digital regulations. And it was an extremely interesting experience because we met several times in different groups around the table. Deputies, including one who is here, with the independent, with other representatives, with representatives of the different ministries, with all the independent regulatory authorities, including ARCEP or CNIL and all the others, and members of the French National Digital Council. And we tried to think about it, to rethink the issue of regulation, to propose ideas eventually for a new approach, to explore different competencies, methods, tools. And what was extremely interesting was especially when we were hearing the regulatory, independent regulatory authorities talking, was the difficulties that they face every day for several reasons, including in order to understand how platforms operate, the issue of time that has been mentioned so much, so many times, how to open the algorithmic black box, and all these issues. So it was very clear that there are some issues, there are some problems, and a lot of ideas were proposed. I will not present them here in detail. Among other things that the French Digital Council proposed, a lot of other things were also mentioned by other participants, but we consider, for example, that the principles of loyalty and transparency are very important in order to reach a fair and open digital environment that favors the diffusion of innovation capacities across Europe and assure that online platforms continue to bring benefits to our economy and to our society. We proposed the development of new tools, including, for instance, to be able to audit platforms, algorithmic systems through reverse engineering methods. We propose to build channels of collaboration between regulators, citizens, and researchers with different means. Also, there is this proposal of the French National Digital Council to create
a watchdog at the European level of online platforms in order to help promote fairness in their behavior. This being said, there were a lot of other proposals that I don't have the time to propose, to suggest here, because I would like also to insist on the issue that in our mind, regulation must be wise. Regulation should not be wild. A wise regulation, yes, not a wild one. Régulation sage, pas régulation sauvage. Why I say this? Because there is a currently, everybody feels this need for regulation and for new tools, but this should not lead to a kind of tech clash. I will end by this. We need to make our internet great again, but we need to save it. And a lot of ideas were suggested by the French Digital Council during these discussions. And first, and this is the point of view of the lawyer, which is before talking about new regulatory tools, etc., we have to assess what already exists or what is on the table. You talked about, all of you, about the GDPR, which is a major regulatory tool, extremely useful. It entered into force a few months ago, and it really transformed entirely the landscape in the field of data protection and privacy, and even touches on cybersecurity issues. There are so many proposals right now, including at the European level, in order to tackle the problem of illegal content online. The Parliament voted in favor of the copyright directive recently after a very heated debate. There is a new regulation on the table being discussed about terrorist content online, and several other ideas, including at the national level. We see in Germany, for example, the law on hate speech. Another field is the field of assisting law enforcement investigations. We have on the table the e-evidence regulation in Europe. Cloud Act was adopted in the United States, and a lot of developments are happening there also. We have a European regulation on the table on fairness and transparency in online platform trading, and we have a huge also work of the EU on algorithmic transparency. So let's assess what is going on. Let's understand. Let's also try sometimes to clarify regulation. A lot of texts that are coming out of the EU, every time that a new text comes out, we know we lawyers have to work very hard because there are 80 pages with hundreds of recitals sometimes, and we're a little bit lost in regulation sometimes, and we really need to clarify also and simplify things sometimes, and not just add eternally. And some major safeguards, and I will end by this, there are some very important issues. First, preserve innovation. This is something very important. And I would like to quote here the head, Pekka Ala-Pietilä, who is a former president of Nokia, and who is the head of the EU's high-level expert group on artificial intelligence. Just recently, he said, I will quote, that Europe has to make sure that we do regulate when it's the right time, but we don't do it prematurely when we would actually create impediments. He said that for the continent to be competitive, it equally has to avoid rushing into regulation concerning artificial intelligence. He said, well, it's very good to propose a broad horizontal principles for the ethical use of artificial intelligence, but for regulation when it comes to norms, probably it could be better to proceed ex post, which will also give room, also giving room for self-regulation, and we must understand when to regulate and when not to regulate, a word of caution by a high expert. Also building on this, regulation should be business friendly. This is something very important, especially for small and medium enterprises. And this is something that must be highlighted, that regulatory conditions are very important factors which affect small and medium enterprises.
They need protection. They still need protection. The idea which was underlying the e-commerce directive in year 2000 still is perfectly relevant for small and medium enterprises. Probably it's not that relevant anymore concerning the big giants. But we need to think about it and to offer a level playing field for small and medium enterprises so that they will be able to be developed. And a third word of caution, I would say last but not least, because this is an absolute priority, protect human rights when we regulate. This is something very important, and you quoted the new initiative by Tim Berners-Lee, who said, as a matter of fact, that's extremely important to give people greater control over their data and provide a safe haven for debate. It was exactly the words used, by the way, by the French Minister for Digital Affairs, Monique Majoubi, give people that the objective of the regulation should be to give people greater control, and all the speeches that I heard speaking about this end game of empowering people and societies. And France was, by the way, we must highlight this, that France was the first government to sign up to Berners-Lee new initiative with this idea of a new contract for the internet. So when we're talking about human rights, the first thing that comes to mind is, of course, privacy and data protection. Europe has played a major role, and the GDPR was an extremely disruptive, let's say, regulation from the point of view of entirely transforming the landscape of privacy protection. It was interesting because we were going to international conference, we were hearing some colleagues criticizing the GDPR, fearing the GDPR, and now everybody seems to understand that this is a very good thing, after all. I don't know if you have heard recently Tim Cook talking a few days ago, who spoke in very strong terms in favor of the GDPR, and who even called for a federal US privacy law to match Europe's general data protection regulation. We understand more and more, to quote a South African lawyer, that a country that's not working towards these standards promoted by the GDPR is left out in the cold. At the same time, it's not just about privacy and data protection. We also need to think about freedom of speech. And a few days ago, Freedom House published its new report saying that for the eighth consecutive year, global internet freedom has declined. And this declined was explained by Freedom House by the fact that there is an increase in government demands to control personal data, the use of fake news as a pretext to suppress dissent, and also the spread of China's model of surveillance to other countries. So we should think about it, because some regulations could affect freedom of speech. When we're talking especially about tackling illicit content on the internet, you know the debate that followed the adoption, that preceded the adoption of the copyright directive in the EU Parliament, with some concerns expressed, including by the academic community, about the potential side effects for freedom of speech. And we have the same debate in other fields. So it's extremely important to tackle, to protect the rights, for example, of the creators, or to tackle terrorist content, hate speech. All these things are extremely important, but we should do it. We must acknowledge the risks and try to mitigate them through appropriate checks and balances. So in order to end, I think that we should, as a conclusion, adopt a series of good practices. First of all, regulation should be, and I entirely agree with all the speakers, including the first one, regulations must have democratic legitimacy. It's not just a top-down approach. We need a participatory approach. You talked about the experience in Brazil. This is exactly what the French Digital Council is doing now, which is an open consultation on all this issue. And you can visit our platform and contribute to this movement. And we try to associate to this reflection the business people, the civil society,
and all possible stakeholders. We should proceed also with impact assessment studies, including about the effect on innovation, on business. The EU is doing this pretty well, very well, and regulation should be preceded by very good impact assessment studies. And from this point of view, I think that we are facing with the regulation, this is my final word, we're facing a lot of difficult questions and regulation. When we're talking about regulation at the global level, in reality, you will see that states have very conflicting views about regulations. It's not the same thing exactly, and sometimes, for example, France might regulate. You listened yesterday, the president of the French Republic speaking about this a middle way between the two models that you have mentioned, but the idea is how are we going to able to conciliate all this without undermining the inherent global nature of the internet, without moving to a kind of balkanized splinter net, which could be counterproductive. And this is why I will end by saying that we need to make our internet great again, but first we need to save it. Thank you. Thank you, Theodore Christakis. I would like now to give the floor to the room to open the debate and have your perception, your perspective on the very interesting ideas that all the panelists discussed in this panel. Thank you. Hello, my name is Dwayne Winsack. I'm from Carleton University in Ottawa, Canada. And I want to ask the question if it might be a good time to give the concept of net neutrality a decent burial in favor of bringing back to life the idea of common carriage. Now, I say that for a couple of reasons. One, I think it has a much longer and illustrious history and a much firmer legal foundation. I think it avoids the confusion of neutrality, because we know that technologies are not neutral, and people are starting to run the neutrality idea up and down the layers of the internet. And I think even yesterday during President Macron's speech, when I thought he did a very good job of finessing strong support for net neutrality, but then went on to say we ought not to fetishize this concept of neutrality because there are things that we can defend, that I think he was right on this. But if we were to go back and use the more robust concept, we might avoid these problems. And so that's one point. There's another point, and maybe come back to it later, but the idea of global regulation. I wonder about platforms are global, but so too are banks. And banks have subsidiaries. So we have HSBC Mexico, HSBC Canada, HSBC France, and of course they have some global functional standards and some global norms, but they are also, their subsidiaries are subject to national laws, and so I'd like to hear some thoughts on those two ideas. We'll take a few more questions before giving back the floor to the speakers. On the
go ahead. I'll take one more question. On the back, Mauricio. This is a question for all of you, but it's more about definitions. But since yesterday, I've been hearing that people use platforms and internet, so platform regulation and internet regulation as synonyms. So is it the same thing for you, or how would you differentiate platform regulation to internet regulation? And if there are differences, which differences there are in the terms? I'll give back the floor to Luca Belli, and then we do a roundtable. So I tried to reply to the first question, the one that was addressed to me, then maybe a couple, if I have time, a couple of thoughts on the others. The rating is not something bad per se. It's like traffic management. It's not something bad per se. It's bad when it is misused for anti-competitive purposes, on when it creates distortions that then can literally not be reversed, because so if you in Europe you have zero rating, but you have quite wide data caps, so you can freely browse the internet, but you also have some services. The BEREC guidelines also suggest to give access to classes of services, for instance, as the happens in Germany T-Mobile. In Germany, Deutsche Telekom giving access to Binchon, or how do they call it in Germany, to all video services. That is much better than giving access to three or four or a selected list of services. Why? And if you want to know more, I published last year an article called Net Neutrality and the Minitalization of the Internet. Because zero rating is going to be, can minitalize the internet, can transform the internet from a general purpose network into a predefined purpose network when it is misused. Why and when it is misused? Because if you have zero rating is only interesting when you have very low data caps. Because if you have very ample data caps, you already have access to all the internet. You don't need a free gift. You already have everything you want. It's very interesting when you are a poor person and you cannot afford, like in majority of Latin American countries or African countries or Asian countries, you cannot afford paying high telecommunications fee, and therefore you end up only using what is given for you for free. But it's not really free, because you pay that with data. So you are being transformed into a free data producer. To produce the most relevant and most lucrative asset in the world for a few corporations that are even being considered as philanthropists, because they are giving access to they are connecting poor Africans or poor Latin Americans. Now, let's also think about something about nudges. It's not only about nudges. The last 20 years of behavioral design are focused on creating addiction, not nudges. The fact that when we wake up in the morning, the first thing we do is checking our favorite app, and when there is a red little dot, we are almost super overexcited because we have to click it and check the notifications. That is because the behavioral designer has done a very good job, has created a trigger that when we see, triggers a reaction, and that creates an habit, and therefore that is how you create an addiction. Period. That is how the behavioral design works. So I'm simplifying very much this. If you are interested, there is a very good book, best-selling book, written by Nir Eyal, Hook, How to Keep Your User Hooked. And this book explains very well how you create addiction. It's like, imagine you are giving... I'm finishing with this because I speak too much. But if to people that are starving, you just start to feed them with sugar, with candies, they will love candies because they are starving. But then they will have every kind of cancer possible,
in maybe you will not realize it the first month because you are actually being quite satisfied of not starving. You have candies. Then after 6 months, you start not feeling very well. After 1 year, you have cancer epidemics. Now, I think we are still we still have time to reverse things. But I think also we should take a differentiated approach. Of course, in Europe, where people have much higher education and much higher, are much wealthier, the problem is less harsh. In other parts of the world, is much worse. So I think we should have this kind of understanding, and also regulators should evaluate what could be the negative externalities of this. The technology is wonderful and brings a lot of benefits, but there are also some costs for mental health, addictions, for disruption of competition and freedom of expression, disruption of democracy. Who could think that WhatsApp could be used to propagate fake news and to let some people that have very questionable ideals to win in a major democracy? No one. Now we know it, that it's like that, and that this kind of technology could be manipulated. So it's good to start have a different approach to this and understand that there are also negative effects of technology. Thank you, Luca Belli. I'll give the floor to Sébastien Soriano. Merci. So there was one question about the partnership between France and Facebook about hate speech regulation. So, yes, she's here. So the question is not what is it about. So the question is why RCEP is participating, if I'm correct. Okay. So RCEP is participating for two reasons. The first one is that we have been proposed, and the second one is that we have accepted. Why do we have accepted? I begin by this. We have accepted because I think that in this very particular question of Facebook / hate speech, I think that there is a good chance that we, French state, and Facebook are more or less looking for the same objective. I think that for Facebook, dealing with hate speech is a real issue, and that it's complicated, and it would create value for Facebook to be backed by a regulator to do it. And of course, by a regulator, by the state, let's say, a public authority to do it. And in the other way, Facebook being the new village place, let's say, at least for many people, it's good also in the other sense for the French state to be aware of how Facebook is dealing with hate speech in more detail. So we have accepted because we think that the interest, the general interest and the Facebook strategy could converge on this specific example, meaning that I would not have accepted to engage RCEP in a topic like, I don't know, privacy or a tax issue, because I think that the strategy of the company is, I mean, in the DNA, not necessarily compatible to what the public interest is. And I would not have accepted to work with other big tech players, including in the same subject. So today, on RCEP side, we have accepted because we think that there is a chance to really learn something, and that we are possibly in a win-win situation with Facebook. That's why we accepted. So why have we been proposed? I don't know. You should ask to Emmanuel Macron's team. I guess you know that Macron is talking about a third way. So talking about third way, I invite you to read a paper from the Institute for Global Change of Tony Blair. That's the joke of the third way, sorry. So it's a paper by Chris Yu, issued 2 weeks ago. And this paper is proposing new generation regulator. And especially one of the items, so you will see many of the stuff I'm talking about, regulating with data, blah, blah, blah. But you will also see stuff about how regulators in the future
may interact in a logical of accountability of the platforms, making platforms responsible of what they are doing. And so possibly the people that have invited RCEP to join this team consider that we have been working more or less in that direction I've been mentioning about new way of regulating, possibly, but please ask them. So the other question is about nudge. So I think that it's not easy to regulate the nudge of the platform, but possibly this will be something necessary at some extent. And as you mentioned, it is already possible today through competition law, through privacy law. What I was more mentioning about is to intervene as a public authority to nudge people. Like, for instance, when you buy a pack of cigarettes in France, I don't know if you have tried this, it's terrible. You see these pictures of people dying with cancer or throttles with mouth, terrible. So this is typically a public nudge. So it's libertarian paternalism. So the signal is, okay, you can smoke, but it's terrible for your health. So I think that in a first intent, the goal for a public authority that would like to play with nudge is more to intervene in the choice process of consumer to nudge them at some moment. So for instance, just giving you an example in the frame of cultural diversity. Something very difficult. So you know in France, we have quotas. So the French TV has to show you, I don't remember, 50% of French stuff. I don't remember the exact figure. But when you are on Netflix, this doesn't mean anything anymore. So you could imagine, for instance, that every day or every week, you receive a message about the cultural diversity of what you are looking at, exactly like Apple or other are doing with a report of what you are doing with your smartphone and the screen time you are spending, how do you spend it. So you could imagine that a public authority would mandate, I don't know, the TV operators, the developer of the operating system of the television, for instance, to send you every week a kind of report about the diversity of what you are looking at. So typically, this is the kind of nudge approach. Thank you, Sébastien Sarianet. I would like to give the floor to Paola Forteza. Thank you. Yes, on some of these issues, regarding neutrality and how we're using this word for everything, I have, for instance, a problem using it for algorithms, because there's no neutral algorithm. We're always ordering information, prioritizing something. So maybe what we need to use is a loyal algorithm that is doing what he's meant to do, I mean. So it is a problem that we're using this concept for everything and stretching a bit the meaning and not being able to be precise in this concept. Regarding what Emmanuel Macron said yesterday on neutrality, a lot of us didn't understand very well what he meant. I'm sure he was being a genius, but maybe we don't understand him yet. But I'm sure he will precise his thoughts in future speeches. But yeah, it was a bit tricky, and I would be glad to know what you think about what he said and what it would imply precisely. Regarding nudge, it's very interesting. With the implementation of the GDPR, we started seeing this appear very, very in a lot of different implementations, because what big platforms did was not up to the level of the ambition that we had for this text at the European level. They continued using terms of references that were very technical, very long. People didn't have time to read them. They did user paths that were very complicated and with big flashy buttons for yes, I consent to share all my personal data. And so we need to start thinking of
not only privacy by design, as we were talking about during the GDPR, but of privacy, of design of privacy. So how do we design interfaces that on the technical level are already respecting privacy? And RegTech are thinking about this a lot lately and designing, for instance, dashboards that are very clear, where users can understand which data is being shared at which moment with who, trying to also do this these paths that are more understandable, trying to do functionalities for the collection of consent that are really loyal to users. And there was a pretty interesting initiative that was called Terms of Reference Didn't Read. It was a platform where they tried to summarize terms of references for big platforms and using like symbols to convey some interesting messages. So how respectful of privacy is this platform? Is it open source? Is it open data, etc.? So, and with very small symbols, and people could understand very quickly what it was about and make their choice knowingly without having to read papers and papers of what these terms of references are. Regarding this, it's Sebastian's idea of having a bot, I think, is very interesting, and we should work on that together, because it would be nice really to be able to define kind of a profile of how much I would like to share my data or not, how much I prefer my privacy, or how much I would like to have more personalized functionalities regarding my profile, etc., which is the argument that platforms always use. We need your personal data because we're going to personalize your user experience. But maybe some people are want to go that way, so it would be nice to have this profile and have a bot or an intermediary regulating all this for you on different platforms. So I think this idea, we should work on it together. Thank you. It's quite interesting indeed that term of references are that long to read. I'll give the floor to Sherif Diallo. Do you want to react to the questions of the room? Thank you. Thank you very much, sir. What I would like to say in conclusion is that in the view of the stakes and the problematic posed by stiff competition, the government have an interest in giving the regulatory authorities more resources in order to better guarantee the principle of net neutrality. Otherwise, what is likely to happen is that we could have a multi-speed internet where the weakest may not survive. As a result, national laws should be updated to take into account the interests of all stakeholders. Finally, at the international level, effort must be made to put in place international regulation and convention imposing the principle of net neutrality on operator providing international internet traffic. There are the last point I would like to add to this discussion. I thank you very much. Thank you. I'll now give the floor to Theodor Christakis to react to the room. Just to address a final question that has not yet been addressed about who is concerned by the regulation and the issue of platforms, where the title of our panel was focusing on the age of online platforms, and this is why I spoke mainly about this. There is no consensus, of course, about the definition of platforms. There are a lot of discussions about this. Generally speaking, we consider that platforms
are online intermediators which offer facilitation and transaction services. But to respond to your question, of course, depending on the regulation, there are some regulations. If you take, for example, the draft regulation about the P2B, as we call it, or B2B regulation in the EU, it's just about platforms. If you take the GDPR, it concerns any kind of company, for example, or entity which you, not only company, but also state administrations, etc., but anybody who is using personal data of Europeans. So depending on the issue, there are different subjects and different objects of regulation. Thank you. I would like again to thank all panelists and the room for a great debate, and to meet you next time to improve the conversations. Thank you.